Jouer, enregistrer, partager sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i9. Et merci Yamato de nous avoir présenté les processeurs Intel Core i9. Je suis en compagnie de SmutzQ pour vous parler de cette phase de draft et bien sûr de cette game, tout simplement. De Dota que nous allons vous commenter, de ce BO même entre Team Unique et Alliance, le dernier BO de cette journée. Les drafts ont déjà bien avancé puisqu'on a eu 4 bans de la part de Unique, 4 bans de la part de Alliance qui a changé son roster très récemment avec l'arrivée de S4. Et donc à la place de 33, Fata avait décidé de quitter l'équipe après le départ de 33. Exhibé qui vient en stand-in pour l'instant pour la line-up d'Alliance en position 5. Lui qui joue chez OG6 en tant qu'offlaner. Deux équipes qui sont à 1-2. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette phase de draft pour l'instant, SmutzQ? Alors des bans assez classiques, hein. On retrouve le KOTL qui a commencé la compétition en étant juste pick, et maintenant bah, il se fait ban parce que Team Secret par exemple a montré que ce héros était trop fort. Oui, même Navi a eu beaucoup de réussite avec, hein. Je crois qu'ils ont gagné toute leur game avec le KOTL ou pas loin, donc tu vois, c'est des équipes qui pour l'instant s'arrachent le KOTL littéralement. C'est vraiment... Le Tosh, c'est pareil, au début, c'était pas un héros qui était, disons, dans la méta au début de ce gros tournoi, et bah, il s'y est fait sa place en tant que first pick, donc on le voit plus non plus. Et après, des bans assez classiques de héros forts de la méta, l'ADP, le Centaure, le Phoenix. Mais il n'y a pas assez de bans, parce que ça laisse quand même passer le Umber, le Timber, qui sont des héros aussi qu'on pourrait qualifier de méta, alors qu'en face, c'est moins classique, même si ça reste, c'est pas non plus surprenant. Oui, moi je Steamerso qui est très contesté dans ce patch. Je me demande pas pourquoi il est très contesté, surtout en première phase. Mais il est très contesté, peut-être justement pour contrer cet afflux de Bristleback qui est en train de... Mais j'ai pas... Enfin, à chaque fois que j'ai une game de Timber, j'ai l'impression qu'il perd. Alors c'est peut-être moi qui... Qui est sur les mauvaises games ? Qui a de mauvaises impressions, mais je suis pas sûr qu'il ait des winners récents, comme il est toujours pick très tôt. Ah, peut-être. C'est peut-être un pic un petit peu dissuasif dans le sens où on veut en prenant ce Bristleback, on veut empêcher les autres de prendre des héros. Bah, et puis c'est un. Mine de rien, c'est un héros qui a souvent une bonne phase de lane, qui te force à pick certains carries, qui rotate facilement en solo safe lane si tu veux faire entry. Donc... Oui. Ah, un héros assez veillable pour changer sa compo en milieu de draft. Ok, attends, je vais te dire hein, pour l'instant, pick et ban, je suis en train de regarder, hein, donc on va prendre cette semaine pour éviter tout ce qui est compétition. Alors il y a un peu de chinois, mais le Timberso, 12 picks, 50% de win rate et 57 ban. Ok, bah, je suis tombé sur les mauvaises games, parce que 50% pour un hero first pick, c'est pas si mal. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'il est énormément ban aussi, donc... Ouais. Et puis ce qui se passe, c'est qu'en général, il se fait sacrément counterpick. Oui. Donc tu sais que tu forces ça, tu t'arrives à rétrécir les choix de l'adversaire, et c'est toujours positif ça quand t'es drafter. Excuse-moi, héros très contest aussi de ce. Pour l'instant, dans ce tournoi, c'est la Death Prophet qui a 39,13% de win. Ah, mais c'est pas ouf. Et sur 23 picks. Donc, c'est pas genre on a pick 5 fois le héros, il est perdu, il a gagné 2 fois, il a perdu 3 fois. Non, c'est vraiment bien pick et ça perd. C'est le retour aussi du Pangolier et du Grimmstrow qui me surprend parce que c'est des héros qu'on voyait plus. En tout cas, le Pangolier, on en voyait encore quelques-uns, mais le Pangolier, le plus pick ces dernières semaines, donc sûrement en Europe. C'est assez surprenant de voir ce Pangolier qui a 26 picks et qui a 73% de win rate. Ouais, j'en ai pas vu tant. J'ai pas dû regarder les bad games, j'en ai pas vu. Grim, ça m'étonne pas trop comme on a beaucoup d'Ember safe lane. Je trouve que ça combine vraiment bien avec le Linkswell. Il y a aussi il y a le Kotl qui fonctionne très très bien. C'est ça. Donc dans la même, en tout cas, qui souvent conteste. D'ailleurs, le Kotl qui lui est tout le temps et très souvent ban, hein, parce que 41 ban et quand il est pas ban, il est souvent pick puisqu'il y en a 23 des picks. Donc il y en a pas eu énormément des games, mais je peux vous dire que là on arrive déjà à un héros qui est contesté 64 fois, ça commence à faire pas mal, hein. 64 fois en une semaine, vous avez eu des chances de le voir piquer ban, hein.
Bon, et du coup, ça pique ses supports chez les deux équipes. Ouais. Alors, je sais que S4 joue de la Mirana offlane. D'accord. De la part de Alliance, donc peut-être qu'ils vont nous. Ok, donc ça peut être un SDP4 qui va comboter avec. 10 seconds remaining. Potentiellement. Parce que je 5 m'attendais à seconds une Potom de Handsken et du coup un SD5, mais c'est vrai que les équipes préfèrent jouer le Shadow Demon plutôt 4. Oui, alors moi je préfère largement un Shadow Demon 4 pour avoir du stuff et de l'expérience sur ce héros. Mais je suis pas très fan de Potom offline, pour être honnête. Bah en vrai avec Shadow Demon 4, tu fais la Oui, cage c'est et tout vrai. l'arrow. C'est vrai, t'as un bon setup d'arrow, mais bah on va voir. On va voir, hein. Après on sait qu'il y a des équipes qui jouent Mirana position 4 aussi, donc peut-être Shadow Demon 5. Je crois que Zibé joue du Shadow Demon aussi, donc Ok. potentiellement ça peut être ça. 10 seconds remaining. Mais donc ça nous laisse quand même un point de. Alors on sait que le Shadow Demon est support, on sait que 5 le Bristleback seconds ira sûrement remaining. carry, Oui. ou peut-être offlane. Donc on a nos deux corps. On a deux corps de la part de Alliance, on a un support. Donc la question c'est Mirana, 4 ou 3? Donc là, c'est comment Yunick va réagir et comment Yunick va pick puis ban pour pouvoir réfléchir à ça. Et ce qui est étrange, c'est que si Mirana est 3, ça veut dire que tu laisses pick ton P5. Enfin, ce qui est pas. Moi, ça me scandalise pas, mais en général, les équipes aiment pas trop la spike leur support parce que Oui. je préfère la spike un corps pour avoir des bons match-up. Mais Sauf ça si. leur laisse cette flexibilité de changer d'avis au dernier moment. C'est ça. C'est cette possibilité-là est peut-être plus forte que. Oui, c'est ça. On va prendre la TA, qui était un compte pendant très longtemps au SF. Quand le SF prenait Necromancery level 1, bah, il touchait pas une âme avant longtemps. Maintenant qu'ils prennent Ryze level 1, ça va. Ils s'en sortent pas si mal que ça. Ça se fait pas mal au skill, j'ai l'impression. Si t'arrives à bien refresh les rails sur la TA, tu peux la faire chier. Mais maintenant qu'il y a eu le nerf sur 10 la seconds rune, remaining. le SF souffre un peu plus. Parce que tu rushais bottle, maintenant bon, c'est moins rentable de 5 rush seconds bottle. remaining. Maintenant, tu rushes l'achat de Mango. Je dirais que c'est un match-up qui doit être 50-50 et ça se joue pas mal Radiant team au back. skill sur les deux joueurs. Moi, je te dirais que l'avantage de SF ou de Templar, c'est que même s'ils perdaient parce que par exemple, on a des rotations de support qui débloquent des kills, c'est des héros qui vont très facilement Oui, farmer la jungle. Donc, c'est ça. pas si grave que ça. De toute façon, tu veux même disparaître dans les bois. Au bout d'un moment, que ces héros farmer la lane, c'est moins rentable. Et tu peux faire les deux, de toute façon. 10 seconds remaining. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Chez Team Unique, il nous manque un 5 P4 a seconds priori. remaining. On a vu des Ouais. tentatives d'Humber support, mais Non, moi je en suis pas général, c'est convaincu. mieux core quand même. Je suis absolument pas convaincu par l'Ember support. Ouais, donc. Et Alliance a l'air d'accord, puisqu'ils ont ban leur Shaker. Ouais, qui est pas si mal que ça dans cette game. Pas mal de contrôle. Il manque un peu de contrôle de la part de Yunick. Pour l'instant, on a des bolas et une coconut. C'est un Ouais. peu faible hein, dans un teamfight. On a du burst, hein. On a du Timber Saw, on a l'Ember Spirit qui peut partir sur des builds de 13 aggro, on a un Witchdoctor avec la Malédicte, on a une Templar. Mais il manque des choses pour pouvoir poser ce burst. Donc Shaker aurait été plutôt pas mal. Ouais. Est-ce que Unique pourrait se permettre un Enigma? Il y a peu de stun en face Ouais, il finalement n'y a pas aussi, de hein. contrôle par-dessus BKB. Ce qui est pas si mal, parce que là tu fais un build par exemple Dagger BKB, t'as Shadow Demon pour sauver les gens, mais après. Et un Timber, tu peux éventuellement lane solo. Après, ça dépend. Est-ce que Ouais. ça dépend face à quoi tu joues. Radiant team. Bristleback, c'est pas si mal contre Timber parce que Alliance's tu peux lui faire des turn to dommages sans le taper. Weaver. Ah, Weaver. Weaver Medic. Ouais, Weaver à Ganym, Urne. Ouais, pourquoi pas. Je vois pas trop. Ouais, c'est bien pour sauver la personne qui est cage. Enfin, qui se prend l'arrow. Ouais, je pense que c'est ok contre pour la TA. La TA, c'est un héros qui peut exploser si elle se fait 10 focus. seconds Oui. remaining. Pour les autres héros, c'est moins fort, je pense, 5 qu'un seconds Timber. remaining. Bon, si t'arrives à le tuer une fois. Bon, c'est vrai que tu sais que tu y as mis beaucoup de ressources, donc ça peut être intéressant de leur mettre full life. Ah, et potentiellement aussi avec de la mana, donc à voir. Une seconde. Ouh, Monkey King qui va arriver. Donc on aura bien une Mirana P4 et un Monkey King qui arrive. Pareil. Ok. Donc Bristleback dans les mains de S4. Nico Baby Shadowfin. Oh, c'est une Weaver carry. Ah oui, bah c'est un Ember P4.
Ah. Ok, alors moi je m'attendais à une Weaver P4 à un Ender qui arrive, Oui, mais pas. finalement c'est l'inverse. Je sais pas Attends, trop ce qu'il va faire cet SF Ender. Nico Baby et Monkey King Limp? Ah, ils veulent mettre le SF contre Timber Saw. C'est vrai Ouais. qu'avec SD, t'as de quoi, tu sais, tu mets au contact, tu mets first, double, triple raise. Ouais. On en 10 avait, je sais seconds plus quelle remaining. équipe on avait vu faire un SF safe lane 5 avec seconds Tiny Lion, remaining. c'était. J'ai oublié le nom de l'équipe. Mais avec le Tiny qui lançait un ennemi sur le SF avec un stun Lion, et du coup le SF pouvait allonger les raises à volonté. Je pense que c'est un peu l'idée là, avec peut-être ta Potom qui reste à proximité, mais. Ah, c'est vrai que si t'as une forme de tri-lane autour d'un Shadowfiend où dès qu'un mec se montre, il se prend une cage into arrow, into double raise, peu importe le héros, tu survis pas. Hein. C'est ça. Et mon quai est pas mal contre TA, parce que tu peux facilement charger ton bâton. Pourquoi pas après tout. Monkey Orb of Venom pour pouvoir bien courir dessus sur la Templar. C'est ça, mais je trouve vraiment bizarre par contre en effet que l'Umber soit P4. Parce qu'en plus, je pense que l'Ember aurait vraiment une bonne. Aurait vraiment une. Pas une mauvaise game en tant que corps. Avec le peu de contrôle qu'il y a. Ouais, il y a enfin. Bah, il y a une cage into arrow, puis un bâton Monkey King. Ouais, et puis la cage de la Rose, enfin non, c'est pas si dur à placer même contre Umber, parce que là c'est assez permissif comme combo, mais. Bon bah on va voir. On va voir ce qu'il nous donne. Il nous donne Illusion qui. Alors j'ai l'impression est en train de remplacer petit à petit Chouvache dans cette line-up de Team Unique. Hein. Non, c'est pas lui que je voulais. Prepare for battle. Alors c'est bien safe lane du coup. Ouais, pas de. Alors pas de grosse surprise puisqu'on l'avait un peu call. Ouais. Je sais pas où vont se mettre les corps de chez Unique par contre pour le coup. Ah, ça va venir chercher la confrontation. Ah, c'est vrai que si tu veux aller entrer aggro, je peux comprendre que tu préfères avoir la Weaver Carry qui est range. Et qui sera plus dure à disruption arrow. Attends, j'ai peut-être fait un truc. Je suis peut-être sur le clean feed au niveau. Ok, moi je suis sur le clean feed. Oh, attends, j'ai juste fait un petit truc. Est-ce qu'on est au même timing? Non, on est un petit peu en retard au niveau du clean feed, donc je vais attendre le first blood. Je vais attendre de voir s'il y a un autre kill sur Nico Baby et je repasserai une game. Ça Excusez-moi les viewers. marche. Hein. J'avais relancé le clean feed au cas où ça marche. Mais on m'a. Mais voilà, notre. Voilà. Ça peut planter, donc on a décidé de partir sur une game. Excusez-moi, hein, c'était. Maintenant que le first blood n'a pas été raté, je peux juste passer comme ça. Voilà, pas de soucis là-dessus. Je me dis, c'est bizarre, j'ai pas. J'ai un décalage en termes d'image entre ce que je vois sur la game de Dota et sur mon retour, mais vraiment assez gros, tu vois. Alors que d'habitude, c'est vraiment quelques secondes. Là, c'était vraiment énorme, donc. Alors. On a eu des runes hein, de la part de Team Unique en plus de ce first blood, Ouais. donc on est plutôt content. Et on a un bon match-up en bas puisque Timber contre Bristleback. Ah bah ouais, hein, plutôt content. Bristol est pas ravi. Ouais, il a beau avoir des. Alors ce qui se passe, c'est que le Timber, il a pris. Comment ça s'appelle? Il a pris le. Wailing Death. Ouais, il a pris le Wailing Death level 1. Donc il va prendre des dégâts ce Bristleback parce que bah, c'est un Bristol, donc ça a pas d'armure level 1. Mais le Bristol va aussi faire énormément de dégâts à ce Timbersaw. Donc, c'est un peu le match-up des deux mecs qui peuvent se tuer très rapidement. Je sais pas s'il y a des Fairy Fire chez l'un ou chez l'autre, mais il y a moyen de te faire des surprises, je pense. Ouais, ça peut être surprenant. Alors, il n'y en a pas d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de Ring of Protection de la part de Bizizi. Et qui va se ramener à un stick hein, directement. Ouais, il est malin. JB qui va tenter, l'arrow qui va connecter sur ce Witchdoctor, une raise, la deuxième, et Nico Baby qui va récupérer un kill. C'est bon. Alors, c'est bien. Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il soit pas level 2, donc il a pas pris les. Ouh! Ça fait mal. Oh, regarde, il joue le match-up à 100% S4. Hein.
il a pas pris de réaction avant non plus. Bah lui aussi joue. En fait, les deux jouent à 100% le match-up. Il est prêt. Bah voilà. Ah, voilà. Ouais. Je me suis trompé dans le titre, bordel de merde. J'ai mis. Tu vois, au lieu de dire Alliance, j'ai fait. J'ai inversé le I et le A. Ah. Ah, Mokey King qui a un bon départ, hein. Il s'en sort très bien contre la TA pour l'instant. Oui, 8-6 contre, quand même 9-6 contre 10. Oh, d'accord, ok. Au moment où je commence à essayer de dire son nombre de la suite, ça... mais voilà, j'allais dire 10-6, c'est pas là, 11-6, voilà, et puis là, bien sûr, 12-6, bon bah, quel Mokey King, il est pas mal. S4, ah, les bons vieux offlaners, mais tu sais, moi j'ai un truc que je voudrais. Hein. C'est pas pouvoir cut les vagues de creep qui m'emmerdent. C'est cut les vagues de crypto dans la game comme ça. Oui, bah c'est sûr que... Parce que sinon, t'as plus de moyens de gagner à partir de toi. C'est une stratégie de gagner la game assez tôt dans la partie. Mais... Xibé, il va récupérer le poney grâce aux illus Shadowfin. Je sais pas pourquoi Illusion est parti presque sous la tour avec son Ember Spirit. Hein. Il a perdu un poney de manière gratos. Ils sont bien au Alliance aussi, ça me semble. Oui. Le stack qui va arriver de la part de Hansken. Allez, on a le match-up, hein, le Bristol versus. Putain, hier j'ai regardé, c'était très drôle. J'étais sur le. En parlant de Bristol, j'étais sur stream de Monkey Forever. Et jouais face à Eternal Envy. Donc je regardais les deux streams en même temps. Et je trouvais ça très très drôle, parce que Monkey il était en train de dire « Oh putain, il est vraiment nul à chier ce Bristol back !» Et t'as le Bristol qui fait « Oh, j'ai défoncé la brood, elle servait à rien pendant toute la game !» C'était très très drôle à voir. Alors qui était plus proche de la vérité? Alors ce qui se passe, c'est que, à un moment, Monkey il a commencé à enfin choper des creeps, puis il s'est pris un écho slam d'un shaker, et il venait de sortir sa dagger. Et là, j'ai regardé ses courbes parce qu'il avait d'autres à plus. Genre, il avait 70 lastites au lieu de 150. Ah ouais, c'est pas fameux. Ah ouais, mais en même temps, le Bristol back, level 4, il a décidé, t'as la broude qui essaie de cut les vagues de creep. Level 4, le Bristol, il a fait, bon, Shaker, tu peux prendre le farm en bas. Moi, je vais m'occuper de la broude. Il a couru sur la broude tout le temps. Tu vois, il avait juste sous le ring, il a couru sur la broude. Il a fait que ça. Ou 19. Ouais. Il y a 19. Ouais, cet Templar. Qui n'avait pas la mana pour réfraction. Parce qu'avec la réfraction, il survivait. Hein. Alors, la lane se passait pas très bien, mais il survivait. Pendant ce temps, la Bizizi, fait une technique très simple. Qui consiste à dire, bah ok Bristol, tu cut les vagues de creep, bah moi je vais juste envoyer les vagues de creep sous le gros camp, comme ça je vais farmer les deux à la fois. C'est ça. Mais il a raté un peu de la 6, il en a un peu moins que le bébé, mais il a plus d'XP. Il a peut-être aussi plus de creep, voilà, là tu vois il a 35. Ils sont even, ils sont égalités. Ouais, ils sont even. On regarde voilà, par contre la différence de networks est farmée. Énorme. Et puis une fois qu'il est 6, il aura peut-être le temps de clean la wave puis d'aller chercher le Bristol back. Ah ouais, par contre il peut aller choper les boons sur une. Et ça c'est ce que le Bristol peut pas faire. Oh bah, Bizizi non, il a oublié de prendre l'aggro des creeps. Alors après ça ne le dérange pas, hein. Il va juste pouvoir TP sous le tour. Xibé pendant ce temps là va se faire récupérer par grand score. Cette lane au top, alors elle se passe pas si mal que ça pour le SF, mais la Weaver est devant. Alors que c'est normalement. La Weaver est bien. Alors que normalement c'est Alliance qui a le combo des kills. Après Clumber qui monte les levels, finalement il peut. Oula. Oh là là. La sentry qui est prête. Ouais, la roue qui va connecter. Oh, on a le temps de se mettre un mise, on est juste en dehors de la range. On va voir les bolas qui vont connecter de la porte de l'illusion. Handscan, il est pas bien. Handscan, si c'est bon, il a encore une charge de leap. J'ai rien dit. Et le petit combo Slate of his bolas de la part de September P4. Mais il faut pas qu'il me donne des idées comme ça, parce que moi, vu que je joue des Ember, vu que c'est quand même l'un des héros que je préfère jouer dans Dota, et bah après, moi, je vais jouer des Ember P4, ça va être catastrophique pour mon équipe. Alors qu'on est bien parti, on va tout perdre. On va me demander pourquoi.
Bah, en vrai, vu la façon dont il est joué maintenant, si tu peux leash l'XP, ça a l'air honnête. Si tu peux mettre ton offlaner dans le mal. C'est ça. Oh, le Bristol, les picots. Oh la vache, en 19, en 19. Oh! Bah non. Aïe aïe aïe, S4 qui récupère double kill. Alliance qui se met très très bien sur ce move. Et cette TA, il va falloir qu'elle retake dans les bois assez rapidement. Hein, eh oui, mais bon, le problème c'est qu'il a eu Handscale qui est venu. Attention, on a un Team Morceau qui est en train de potentiellement faire le patron. Et S4 qui va peut-être subir. Hein. C'est bon, la roue de Handscan, il va venir sauver tout ça. BGG qui lui est tranquille. Ah, la Templar qui va TP en bas, bien sûr. Et oui. Qui vient de passer level 6, donc elle a cette trappe maintenant, ce qui est sacrément plus agréable pour jouer. Ils ont prévu Alliance de l'empêcher de faire les bois, il y a les wards qui arrivent des deux côtés. Aïe 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 aïe, et je reçois déjà des messages en mode ouais mais notre offline en fait c'est un carry etc. Bah vous connaissez pas mon P4 carry hein. Oh Nico Baby, oh Nico Baby, oh les magnifiques Slight of Fast Bolas, Slight of Fast Bolas, Slight of Fist Bolas, c'est pas possible. Excusez-moi, Stra qui vient de récupérer son niveau 5 dessus, Nico Baby qui était niveau 6 hein, ouais. Sur la lane, donc il était très très bien. Il va falloir qu'il referme ses souls en revenant. Ah, est-ce qu'on me... Alors, on me demande si tu es le frère caché d'AutoWash. Moi, je dirais, il a à moitié raison. Alors, bah oui, même pas caché, en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas caché, voilà. Donc, c'est bien le frère d'Auto. Ah, oui. Et heureusement, il y a un truc que j'ai réussi à cacher à mon équipe pour le moment, c'est ma LCP4. Ah, pourquoi ? Pas jungle. pas jungle, je tiens à préciser. Elle est sur la lane, hein, ma LCP4. Elle va vraiment trade face au... Genre, je trade face... Genre, je prends passif level 1 de trade, je right-click le P5 adverse. Ah bah oui, ça peut marcher après tout. Et voilà. Et après, je prends Moment of Courage. C'est vraiment, viens, P5, je te défonce, allez. Après, je pense que par exemple, si je joue face à un ogre, je vais pas prendre le passif level 1, je vais prendre le moment. Mais ouais, si tu joues contre un ogre, je pense que tu vas passer un seul cas. Ouais, en vrai, avec Moment of Courage, je right click, et puis avec Press the Attack, dès qu'il met un ignite, ouais, oui, ça marche. Pourquoi pas hein. Oh, Z-Track, il a. Ah, il est niveau 5, hein, Z-Track avec sa Weaver. La Coconut qui va arriver. Oh, le superbe coup de bambou. Heureusement, on a des bolas qui viennent d'arriver. Il y avait un wand de la part de S4 qui a bien rempli. Mais il vient de compléter une killing spree, donc il va donner encore plus de gold à 19. C'est parfait. C'est parfait, la TA qui était pas très bien dans la game va dire sympa ça, un bonus d'XP et de gold gratos. Elle est au niveau du monkey, mais la roue. Oh, elle connecte, magnifique cette arrow, on va avoir des dust. C'est bon, 19 va se faire récupérer par Limp. Ils sont très mobiles les supports des deux côtés, hein. C'est joli à voir. Oh, très mobile, Vanguard, lui, c'est peut-être le mec qui. Toi, Vanguard et le Shadow. Les P4 sont. Ah bah non, j'allais dire. Ah si, les P4 sont mobiles puisque c'est un Ember donc il a Skate of Fix, etc. Côté Alliance, c'est mobile, on va dire. Plutôt de l'autre côté, c'est plus dans la réaction. Mais... Ouais, c'est ça. Mais le Shadow Demon de Xibé qui nous fait une game pas dégueulasse pour le moment. On va compléter. On va récupérer les Bounty. Ça sera du 3 pour 1 cette fois-ci de la part de Alliance. Après les 2-3 pour 1 complétés par Team Munich, on est à 3 pour 1 pour Alliance, cette fois-ci à la 10ème minute. Et cette Templar qui est mal dans la game, puisqu'elle a 3 multisons de network sur la minute 10. Mais bon, c'est une Templar. Laissez-lui 5 minutes, ça va commencer à revenir. Et laissez-lui 10 minutes, elle sera devant son vis-à-vis. Me demandez pas pourquoi, ça fait partie de la magie de ce héros. Ah, puis elle trouve les bons items. Ouais, elle fait une broche qui est pas dégueulasse. De la MS, de la mana pool, tout ce que tu veux sur une Templar en début de partie. Ouais. Au pire, tu la donnes à ton Timber, il sera ravi. Ouais. Ou même peut-être à ton Ember Spirit qui lui veut spammer Slight of His Bolas. Ouais. Donc, l'ultime Irana, il est vraiment spotted cette ultime Irana de la part de Alliance. Hein. Bon, on avait un Nico Baby sous tour qui met des right clicks. Bon. On a connu mieux comme ulti Mirana. Est-ce qu'on va quand même pouvoir compléter un kill? Non, on pourra pas compléter de kill. J'ai l'impression qu'on a. On a tous les niveaux 6.
Au moins, puisque Limp, il a juste pas pris son ulti, mais il est niveau 6. Sport, l'ulti du Witch Doctor, les remnants. On va compléter un kill. Limp qui va compléter une killing spree. Est-ce qu'on peut avoir des bolas? On va avoir des bolas. Et Limp qui va tenter de TP out. Limp qui va tenter de TP out, mais qui va mourir et qui va donner sa killing spree à Bizizi. C'est du 2 pour 1. Les deux corps contre un P5. Largement l'avantage de Yunik sur ce pack. Ouais, et encore une fois, tu fais participer ta TA, ça va accélérer son recover. Ouais, regarde, il est plus qu'à 300 gold derrière. Hein. Moi j'ai le SF un gold par contre. Le SF un gold, ouais. Est-ce qu'il va pouvoir nous OS quelqu'un? Compliqué, hein, compliqué de OS quelqu'un depuis que tu peux plus te mettre sous cette dagger, il va falloir mettre des raids par-dessus. Oh là là, le Weaver qui va prendre la roue. Oh, est-ce qu'elle a le temps d'ulti? Il a le temps du Easy Track. Et Nico Baby qui essaye de courir, qui essaye de hold des gens, mais le Bolas qui va arriver, qui va permettre à Bizizi potentiellement de s'en sortir. Est-ce qu'on a une ulti en chaîne de la part de Bizizi? Bizizi qui se retourne, pour le moment, il n'y a aucun souci avec les dégâts de la malédique potentiellement pour tomber S4. Heureusement qu'on a un superbe Wand bien chargé qui va permettre à le récupérer le kill. Bizizi. Ah, Bizizi, il court sur Nico Baby. Ouais. Alors là, maintenant, il va se prendre triple raise. Ouais. Et il va mourir. Et c'est la tour qu'il récupère. D'accord. Donc, quand il y a 5 personnes qui sont en assise, ça indique le The Dyer. C'est bizarre. Bah, c'est pour éviter. Ah, il n'y a pas la place. Ouais, c'est peut-être pour éviter. Parce que déjà, quand il y a 4 personnes, tu vois même pas qui ils ont tué des moments. Ouais. Surtout quand t'es en pro, parce que là, tu vois, c'est unique. Imagine, c'est unique pour 19, pour un pareil. Plus avec imagine sur un Shadowfield, bah alors là. Là c'est The Dyer, d'accord. Bon, c'était peut-être un peu emballé là. Ah mais attends, ça fait 40 gold par joueur en vrai. C'est nul. Si c'est la tour qu'il récupère, c'est nul. C'est 198 partagé. Grand score, la coconut, la malédie qui va arriver sur Limp. Alors Limp il est full life donc il va perdre 0 points de dégâts. Alors oui, c'est la tour, mais d'habitude, la tour, tu vois, quand c'est la tour qu'il récupère ou quand c'est des creeps, bah, c'est une assist, en fait, c'est indiqué. Tel joueur se partage la bounty, mais vu qu'il y a 5 joueurs, peut-être que c'était les 5 joueurs qui se la partagent. Donc le d'ailleurs. Si on a une team, en train de se faire courir dessus, c'est bon. Et du coup, tu fais quoi comme item sur un number P4? Tu fais pareil, urne? Je pense que tu peux faire une Spirit Vessel, le Scepter, peut-être une BKB. Ouais. Le Scepter m'a l'air d'être pas trop mal pour pouvoir tempo. Ouais. Alors, est-ce que ça va tenter de go ce Monkey King à 2 là? Ouais, la coconut. Ah, la mêlée et l'ulti et la limp, il est en PLS. Ah ouais, mais t'as eu le temps de mettre le coup de bambou, mais ça va pas te sauver. Non, il n'avait plus la transformation. Et on a un ulti Myrna qui vient d'arriver, mais oh, magnifique. Toi, baby, on n'avait pas de sleight of fist pour pouvoir tenter de dodge. Alors, on a un kobold qui est en train de taper. Alors le kobold ne prend pas l'aggro des tours et des creeps. Chose à savoir. Ah oui. Parce qu'en fait c'est comme pour un chasse, c'est comme un creep neutral mais qui n'est pas dans les camps, qui n'est pas dans les camps poulables. Donc les creeps peuvent se faire complètement jambon. D'accord, mais est-ce que tu peux le fog? Enfin le distancer, il te suit plus toi. Je pense que oui. Hein. En général, face à la déception d'avoir pop ce truc, tu le massacres assez rapidement. Ah bah au moins tu dis que je vais me faire des golds et un peu d'XP. Quoi. Bon, 5 golds et 10 d'XP, un truc dans le genre, mais au moins ça sera ça. Puis avec un peu de chance, il peut dropper un item. C'est ça. Ah, j'ai l'une des rares games tier 5. Enfin, avec des tier 5 que j'ai drop, à un moment j'ai fait un coup de pelle, on était un peu enfermé. Et genre, je drop un item tier 5, je sais plus lequel, ça devait être ça devait être Book of the Dead, j'étais en mode... C'est pas mal pour un kobold. Problème de connexion. Sorry. Ah, il demande s'ils peuvent rego. C'est bon, on va pouvoir relancer le match. Nico Baby qui a des Vampire Fangs.
pas inintéressante. Attention, Vanguscore. Attention, Nico Baby, Sight of Hezbollah, c'est ce qui va vouloir se dispel. Oh, c'est bien tenté ça. Ah, mais l'ulti qui va arriver, hein. Ah ouais, et oui. Et là, on voit la fragilité du SF magique. Si tu fais pas les espèces de Sanji Yasha BKB rapide, t'es quand même fragile. Hein. Ouais, si t'as pas ces BKB hein, sur ton SF. Surtout que t'as envie de faire une dagger. Et surtout que tu vas peut-être perdre Xibé. Attention, Alliance. Vous perdez des kills, j'ai envie de te dire. Plutôt important. Ouais, Sfor qui se fait déboîter. Alors, heureusement, il a un mecha. Heureusement, il a un wand. Il a déjà tout activé. Oh ouais, avec le déso, ça va vite tomber tout ça. Ouais. On peut aller faire Roshan même, je pense. Nighting, c'est ce qu'il a l'air de faire. Ouais. T'as les petites bébêtes de la Weaver. Pour tanker un minimum. Ah, t'as... Alors, est-ce qu'on fait la strat du... On met le double meld. On y va direct. On y va direct. Hein. On se pose pas la question. Non. L'alliance sur S-Force, ça a l'air dur de contester. Oh, on a mis une arrow sur Roshan. Ah bah là, Antscan, il est content, il vient d'accélérer le... Oh bah alors là, Antscan, on est sacrément content. Voilà. Il a mis l'ulti Mirana, ça a été scouté. Et en plus... Oh ouais, il complète sa dagger. Mais en vrai, il était mal dans la game, il a un timing d'Ezo dagger. Non mais... Plutôt sympa, c'est... ouais. 19-tin, c'est 19-tin. Tu vois, j'ai du mal à le dire, je sais pas pourquoi, mais quand je fais 19-tin... C'est bizarre, ça me fait chin chin d'affelou, tu vois, c'est exactement le même genre, mais tu vois, j'ai une sonorité bizarre et je ne préfère pas, et c'est pour ça que maintenant je vais dire 19, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, et je vais éviter d'avoir des trucs bizarres. En plus, je sais même plus comment on dit 19 en russe. Oh Nico Baby, il va peut-être éclater Bizizi, c'est bon, on va pouvoir compléter Bizizi, 19. Il est en train de se faire go avec sa Templar, il a déjà perdu l'Aegis, il va pas pouvoir blink away juste après. Ça m'a l'air d'être la mort de cette Templar assassin, à moins qu'il peut use dagger out. Non, il va pas pouvoir dagger out. Bah, c'est pas très bien utilisé comme Aegis, ouais, c'est unique. Ils sont un peu emballés, hein. C'était. Un peu dommage de s'emballer, il suffit de taper les objectifs. Hein. Avec un désolator, ça passe pas mal. Ouais, mais on a voulu un petit peu trop dive. C'est dommage. Le défaut des CIS. Le dive dans Dota. Attention, c'est et ça continue. Ouais, ça a raté son slide par contre. Ouais. Oh. Mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable cette volonté des CIS à vouloir y aller. Alors qu'ils sont que 3. Hein. Ils ne sont que 3. Je ne. Pourquoi ils font ça? Ils viennent d'offrir un full team en deux temps alors que bon c'était pas vraiment nécessaire. Oui. Ils ont déjà perdu leur Aegis, plus leur Templar, plus leur Timber. Ils se disent, attends, on a perdu. On y retourne. On a perdu que l'équivalent 3 héros. On peut mieux faire, on peut perdre l'équivalent 3 héros en ratant nos spells. S'il te plaît. Ça. Dire qu'on disait que la Templar était revenue, bah. C'est dommage hein. Tout ça pour ça. Et du coup, Alliance, eux, ils sont pas fous, ils vont taper des objectifs. Ouais, ils mettent leur Bristol Back devant et ils vont pas essayer de trop dive, hein, je pense. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire punir hein, sur des bolas, sur une malédicte. Alors, pour l'instant, j'ai rien contre ces deux équipes, mais ça a l'air quand même de jouer un peu moins bien que le BO précédent. Dans le sens, il y a plus d'erreurs. Bah chez Unique, oui, il y a une volonté d'agresser qui... se fait clairement punir et peut-être mal discipliné. Tu sens que... Il y a encore un kobold de ses morts. Hein. Ouais, soir. Ils veulent pas y aller. Ah non, ils ont raison de pas y aller. Oh là là. En vrai, là, il avait une coconut à mettre, Vanguscore. Il a une coconut. Yeah. Oh, c'est dommage, il a pas mis son ulti. Oh, c'est tellement... Oh ouais, Sfor, il a pas montré son cul à la Templar. Oh là là, il a voulu faire l'homme galant, et Sfor avec son Bristol Back, et bah la galanterie ne paye pas toujours. Aïe. Et le Timber a eu le temps de casser l'arbre du manqué au tout début du fight avant de se faire stun. Ah
Bon, mais ça va pas amener à une prise d'objectif, tout ça. Là, tu as les bounties, est-ce qu'ils peuvent en ramasser 3? Non, je crois pas. Ouais. Non, même pas, hein. On a même pas pris l'avantage au niveau des autres postes, puisqu'on est un partout. Bah, c'est un move. Bon, bah. Ouais. En fait, se traduit par Bristol contre Witch Doctor. Alors, le MK pas très malin de jump à côté du Timber. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il avait pas forcément la vision du Timber au moment où il a demandé le jump. C'est possible, ouais. Et dans ce cas-là, bah, t'arrives et tu vois tu sautes et là, tu vois un Timber. Tu passes au-dessus d'un Timber, tu fais. Et merde. Ah Ah, mais c'est dommage. C'est ballot, hein. Ma vie de singe dans les arbres, ça va être singe par terre. Hein. Il avait trois potes à côté, certes, mais il a peut-être demandé un. Ah, c'est S4 qui va reprendre là. Ouais. Peut-être. C'est pas si mal de focus S4, parce qu'un Bristleback, quand il est vraiment au fond du trou, il ne tank 0. Et un Bristleback qui tank 0, c'est un Bristleback qui fait 2 une pas de dégâts, de 2 qui sert à rien. Il a un build très utilitaire, donc. En plus, c'est un bon test de DPS. Si tu peux tomber le Bristol rapidement, tu peux tomber tout le monde rapidement. Ouais. Voilà. Genre, si tu peux faire ça sur le Bristol, tu peux faire ça sur tout le monde. Et pendant ce temps, on a Zitra qui court. Il court, il a déjà utilisé son ulti, l'ulti Shadow Demon qui vient de se dispel. Oh, la scène Genyasha de Zitrak. Pourquoi je vois pas une scène Genyasha depuis le début de ce tournoi, deux games, deux fois je vois des héros qui vont scène Genyasha alors que j'ai, genre, je vois voir Ursa et Weaver scène Genyasha. Mais what oui, the j'ai fuck vu Ursa tout à l'heure. C'est peut-être juste que Sand j'ai tellement fort et sur ces héros tu vas pas aller faire un Albarn, donc t'as pas le choix. Je ne comprends pas. Alors après, la Weaver elle a pas de limite de vitesse. Donc en Tsukushi, elle doit tracer une vitesse avec la scène Genyasha. Ça doit être complètement débile. Alors niveau 25 j'imagine même pas. Hein. Niveau 25 ça doit être d'un ridicule. Tu vas voir une Weaver courir à 952 ms, tu vas faire. Bizarre, ça. Bah vu le peu de stun qu'il y a en face, ça se défend. Ah oui, puis en plus, quand il y a peu de stun, avoir un peu de statue résistance, c'est cool. Mais c'est bien aussi, alors je sais plus, je crois que ça peut fucked up les combos Shadow Demon avec la prison. Ah oui, oh. Oh bah Nico Baby, alors il savait pas qu'il y avait une smoke hein, de la part de Illusion, parce que entre guillemets par chance, Nico Baby venait derrière les arbres. Donc bah t'as Illusion qui dit, bon ok, il y avait un mec qui s'est mort, mais... Pauvre en score. Dominating performance. Yeah. Alors Van Score, il était sacrément loin. Oh, Xibé. J'ai l'impression qu'il s'est fait révèle. Ouais. Alliance, ils veulent se battre, ils ont double BKB sur leur corps. Ah, c'est un bon timing. Oh, on veut récupérer un Ember Spirit de la part de Nico Baby. Parfait. Le combo est réalisé de la part de Nico Baby. Ulti Mirana qui vient d'être utilisé. On n'avait pas la vision de la part des joueurs de Unique, pardon. Et peut-être Zizi qui... Oh, c'est bien joué. Très bien joué. Ouais. Bah, Nico Baby, ouais, tu peux pas faire le mal. C'est un team morceau quand même. Il a le temps de se charger un tout petit peu. Voilà. Les bons dégâts du chakra, ça fait plaisir ça. Il nous fait vraiment un build full magique. Des fois on voit des builds un peu hybrides où on fait un ulse, une dague BKB et après on part sur des dommages. Là il va faire une E-Blade. Ouais, alors E-Blade qui est très intéressante aussi pour mettre des raquettes parce que c'est comme 40 d'agilité sur un ROG. C'est vrai. C'est pas ridicule, mais c'est très. Alors ça permet aussi de défendre. Par exemple face à une Templar, c'est très pratique si vous mettez l'E-Blade sur la cible de la Templar, c'est bien. Alors par contre, faut pas mettre l'e-blade sur la cible qui est derrière la Templar. Parce que ça ne sert à rien. En tout cas, sur la cible. Oui, sur la personne qui. Oui. En tout cas, sur la personne derrière la cible de la Templar, pardon. Parce que les Psyblades vont passer à travers les Ghost Scepter et les BKB, donc vous n'avez pas moyen de vous immuniser au Psyblade. Le seul moyen de s'immuniser au Psyblade, c'est de ne pas être dedans. C'est facile à dire. Oui. Alors je crois que les deux équipes savent que Roshan est là, donc ça va être la bagarre.
Ça va être la bagarre pour ce rush. On a une BKB sur Zitra qui vient d'arriver. Très intéressante. On n'a pas beaucoup parlé de cette Weaver. Parce qu'on nous la montre pas tant que ça. Mais oui, elle a l'air d'être plutôt... Oh, on a l'Orb of Destruction sur 19. Il va être content. Il va être sacrément content. On a BKB, Echo Sabre et Aghanim en préparation sur le Monkey King. Très intéressant parce que je connais les Aghanim par exemple avec des radiances, avec des maelstroms pour pouvoir que les statues fassent des choses, mais juste avec Echo Sabre, un peu surpris. Mais il a peu de dommages là, il a rien qui proc. Enfin, il y a l'Echo Sabre qui proc, bien évidemment, mais ça s'arrête là. C'est pour ça, tu vois. Alors qu'avec la radiance, bah tu mets la statue a quand même la radiance, donc tu peux te déplacer tout en mettant des sortes de mini trap TA, des mini Zion Shell que tu peux pas éviter. Oh, l'Ember il va compléter sa Spirit Vessel, Nico Baby, la Ghost Scepter et la BKB. Attention à pas activer les deux en même moment, ça ne sert à rien. T'imagines, tu pourras activer Ghost Scepter et BKB. Ça sera un Aeon Disc. Ouais, sauf que tu peux faire des dégâts avec tes spells. C'est vrai. Tu peux juste pas mettre de high kick. L'Aeon Disc du riche. Ah, du coup, Alliance, ils sont marre d'attendre, ils vont rentrer dans Roshan. Ouais. Enfin, il était clean. Alors, on est en train de trade la T2, j'ai l'impression, de la part de Yonik. Attends, mais ils viennent de changer d'avis. Ça a pas l'air très clair. Ouais. Ils sont pas tous présents, hein. Bizizi, il est en mode, il faut Roshan, faut qu'on teste. On teste de la part de Bizizi, Zitrak, la BKB qui va cliquer en premier, Zitrak, non c'est Lightjeez qui va être snatch de la part de Nico Baby. On va voir l'ulti aussi de la part de cette Shadowfiend, Bizizi qui est en train de se faire go, il va tenter de TP, oh, il va pouvoir TP avec son Bristol. Et pendant ce temps là on a quelqu'un qui est en train de go, c'est 19, et c'est 19 qui s'est fait complètement défoncer avec sa Templar. Et on a snatch Lightjeez de la part de Nico Baby et pas récupérer le Roshan. C'est pas une bonne fight pour Yonik, ça pourrait être... aurait pu être pire, ça aurait pu être largement mieux par contre. Mais bon. Fight recap, je l'ai pas vu arriver en fait, et je l'ai vu dépop instant. Ils ont été forcés de se précipiter dans Ulti Monkey, le TSF, ça fait jamais plaisir. Eh oui. On était pas loin de récupérer la 10 hein, de la part de cette Weaver ou de la part de ce Team Borso. Attention, Alliance, le High Ground. Alors là, le seul défaut du build magique sur ce Shadowfiend, c'est que ça DPS beaucoup moins bien les bâtiments que sur un build physique. Bien joué. Le spread de Nico Baby. Ah, un peu de chance que ça soit pas un creep qui le prenne pour que ça rebonde sur S4. Rebondisse sur S4 encore. Et Boas. Parfait de la part de S4 qui va juste mettre le... Là où tu sors pour dispel son... Alors, son carry hein, dans cette game, puisque Limp avait joué un Monkey King dans son mid, pardon. Limp avait joué un Monkey King mid et un SF carry. Il y a eu un SF carry de la part de Nico Baby. C'est perturbant ça, parce qu'on a toujours l'habitude de dire le mid pour le SF, mais... Ouais, là tu perds beaucoup de map control pour une unique, ouais. Ça va être Alors, ça va réussir à sortir. Par chance on a une Weaver qui est en train de split push en bas. Mais vraiment. Parce que Alliance ont l'air motivés par la prise de ce high ground. Hein. Ah oui. Ok, on est en train de TP de la part de cette Weaver. On commence à go, le disarm qui va arriver. Alors il en a rien à faire, hein. Bizizi se disarm. Oh, Coconut qui rebondit, les Bolas. C'est bien joué. On tampon un tout petit peu. Wow. Qu'est-ce que ça fait mal. Oh, le Shadow Demon. La vache. Oh, les BKB qui vont arriver. Nico Baby qui va se faire complètement massacrer. Est-ce qu'on peut y arriver. Oh, on a réussi à contrôler un minimum Limp. Limp avec sa BKB. On a perdu le Shadowfiend. Enfin, au moins, on a perdu l'Aegis de Shadowfiend. Le cheese qui va être consommé. Attention cette Weaver. Attention cette Weaver. Elle va mourir sans avoir le temps d'activer son ulti. Bizizi va courir. Oh non, mais illusion. Il est vraiment rentré dans le. Alors, on a des buybacks hein, qui sont commis de la part de des deux supports de Unique. Est-ce qu'on peut go sur Limp? Limp qui va activer un coup de bambou. C'est bon. Limp qui va pouvoir jump out. C'est gris de la bounty.
Alliance versus Unique, toujours toujours c'est réel, on vient de forcer les deux buybacks comme des supports. Alors c'est les supports donc c'est pas si grave que ça. Kragigoth qui vient d'être drop sur ce. Tu le mettrais sur qui ce Kragigoth là? Sur ce Bristleback? Ouais, ouais je pense. Après parfois t'aimes bien donner quelques coups avec Bristle, ça va être plus compliqué, mais là je pense que son. Il est sur un build très utilitaire avec ses avec son mecha, avec sa Lotus, avec son Hood, donc ça le renforcerait vraiment dans son utilité. Tu vois là. Il pourrait partir presque sur des griffes, ce que je serais pas surpris, tu vois. Après, les fangs, c'est pas dégueu aussi. Hein, c'est vrai. C'est presque la moitié d'un talent 25, les fangs. Je crois que c'est 8% de spell lifesteal maintenant. Ouais, alors je sais plus que c'est le talent de. Oh, je vais regarder. Bristle, il est à 15%. Ouais, bah c'est la moitié, c'est ça. On a une Butterfly en préparation sur Zitrak. Je suis surpris parce que là, tu vois, peut-être qu'avec un Satanic, il aurait eu le temps d'activer son ulti. Donc je suis surpris qu'ils veulent pas faire Satanic avec sa Saint Geniacha. Après, peut-être qu'il a peur de manquer de dégâts. Peut-être, c'est pas impossible non plus. Et peut-être qu'il se dit qu'avec ce Butterfly, bah, il prend moins de right-click, donc sur la durée des contrôles. Et il tanque plus les dégâts physiques, vu qu'il y a quand même de la réduction d'armure de ce SF, etc. Je peux aussi comprendre. Et le Mookie King, qui n'a pas de MKB, donc. On a une Butter d'ailleurs, en parlant de Butter, Butter en préparation sur l'Imp. On a une gemme sur ce Bristle back de S4. Il nous fait une game. Alors, il fait ce qu'il peut hein, avec son Bristle. Il a pas une phase de line très simple. Parce qu'il a joué face à un Team Borso. On a vu qu'il s'était fait jambon très très tôt dans la partie. Mais depuis. Mais il arrive quand même à se débrouiller. Il arrive quand même à apporter des choses à son équipe. Ouais, oh, l'Imp, il est vu. C'est surprenant ça, cette cage de Shadow Demon. Oui. Peut-être, bah ça c'est, tu vois, ça c'est le, entre guillemets, peut-être l'effet stand-in, dans le sens où il prend pas de risque, il veut, entre guillemets, de trop bien faire. Donc, voilà. On a Octarine Core hein, qui est en préparation sur ce SF. Il est bientôt full stop ce SF. Oui, bientôt 25 aussi. Et ouais. 25 avec Octarine Core, c'est coup de MS, la roue qui est pas du tout connectée. Et derrière, est-ce qu'il trouvera la place pour faire un X ? Ce sera pas mal contre cette Weaver, contre la TA, pour SF. Pour être pas mal, hein. Ah, pour remplacer par exemple sur le Scepter ? Ouais. Ah, c'est Track qui split, hein. Et pendant ce temps-là, même Lember, il split, hein. Il a envoyé double remnant. C'est ça. Alors je crois qu'il y a un truc du genre, le Ulcepteur n'est pas réduit, enfin, la durée de Ulcepteur n'est pas réduite par la statue résistance. Je crois qu'il y a des choses comme ça dans Dota. C'est un peu surprenant mais... Parce que c'est considéré comme un buff et debuff à la fois et tu peux pas enlever... C'est compliqué de tout savoir sans ce genre. Ouais, c'est vraiment compliqué donc... Je sais plus. C'est bon, l'Octarine qui vient d'être présent de la part de Nico Baby. Ouais, il est bien ce SF. Est-ce qu'on retombe sur S4 ou oh, S4. Alors, il a renvoyé une coconut S4. Alors, cette coconut renvoyée. Oh, cette coconut renvoyée. Oh là 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 là. Elle a failli faire toute la teamfight. La roue qui ne connectera pas de la part de Hansken. S4 qui survit pour le moment. Il est toujours pas mort. Hansken Limp qui va mettre son ulti. On va tenter de go sur Limp de la part de 19. Alors on a un buyback de la part du Solomon de Team Unique contre le buyback de Xibé. Attention la malédicte. On a plus de régène. On a en plus un coup de spirit vaisselle. La Lotus Orb qui n'aidera pas. Ce Monkey King qui va quand même mourir. C'est bon, il va mourir. Zitra qui récupère un triple kill. On va. Tout shot ce bon vieux Xibé qui venait de buyback. S4 qui va se faire récupérer. Et bah finalement ça se retrouve en 4 pour 2 pour Unique. Avec un buyback de cette ampleur. C'est ça, un bon buyback. 5 pour 2 puisqu'on a Xibé qui vient de buyback. Et là on va en forcer des buybacks ou alors t'en forces un mais Monkey King il en a pas donc Si Unique le sait, alors regarde, il glyphe les creeps. Très bien joué de la part de Unique, ça va permettre de gagner du temps et toujours de conserver cette vague de creeps pour pouvoir mettre de la pression sur cette tour.
Non, faut continuer là. Là, il y a 49 secondes sans le Monkey King. Faut y aller, hein. Faut forcer. Ah, ils veulent pas forcer ce side alors qu'ils avaient. En plus, c'est SF Bristol, ça chase pas si bien que ça. Hein. Alors, est-ce que Roshan est de retour? Oui. Non. Ah, Roshan vient de revenir. Est-ce qu'on peut le scout de la part de Yun? Faudrait au moins obtenir ce rush. On le scoute pas. Et Vanscore, non. Non, c'est triste. C'est vraiment triste parce que je pense qu'ils peuvent vraiment faire plus. Ouais, c'est Yes qui se battent à 3v5 sans objectif. alors qu'en 4v2, les mecs ils vont pas. C'est dommage. C'était soit un rush, soit une side gratuite là de la part de Unique. Ah, s'ils regardent le replay, ils peuvent s'en vouloir. Oui. Ah, c'est vraiment dommage. C'est dommage qu'elle mette pas une petite trappe, elle était pas loin quand même pour le scout. Si je le font voler là, ça va être dommage. Ah ouais, si je le font voler, ils peuvent s'en. Ah, c'est plus que les doigts qui peuvent s'en mordre, hein. C'est les mains. Hein. C'est. Parce que Alliance, il faut pas qu'Ionic fasse. C'est des erreurs en fait. En fait, c'est des erreurs dans le sens où c'est pas le meilleur play, mais c'est des erreurs de. On pense que les mecs en face sont des buybacks, on pense que les mecs sont commis trop, etc. Tu vois, c'est des erreurs de pas assez confiance en soi. J'ai l'impression que ça donne. Là, clairement, ouais. Ce refus de prendre les racks, on dirait qu'ils. C'est peut-être à cause de leur dive malencontreux tout à l'heure où ils se disent on doit être prudent et. Ou Alliance est en train de faire le tour. Alliance fait le grand tour. Est-ce que ça suffira pour choper quelqu'un? Alors, pour l'instant, ça chope personne. Et Alliance, ils sont pas du tout en position pour contester ce rush potentiellement. Il y a peu de buyback dans les deux côtés. Oh, on est noir de. Oh, po, Zitrak. Il a eu chaud, Zitrak, hein. La roue qui a failli connecter. Alors, la coconut de l'enfer qui va de nouveau remonter. Ah, c'est bon, cette fois-ci, il ne rebondira qu'une seule fois. S4, c'est bon, les dégâts sont tankés, limp. Oh, il a eu le temps de jump avant, Bizizi qui va pouvoir s'en sortir, le fight est en train de se split, Zibé il va... Oh, bah. Ah ouais. Alors il a essayé de s'en sortir, il a essayé de se sauver de Zitrak, pas de bol pour lui, il est tombé sur un mec qui s'appelait Templar Assassin, quoi, sur un mec qui s'appelle 19 qui joue Templar Assassin, et pas de bol pour lui, ouais. Ça fait presque plus mal, tu vois, tu te sauves d'un loup, tu tombes sur un ours enragé. Donc t'es pas forcément très content. La coconut qui cette fois-ci sera pas renvoyée mais qui ne rebondira pas non plus. S4 qui commence à prendre des dégâts. Les bolas qui sont magnifiques qui vont forcer la BKB de Nico Baby même s'il avait une Lotus. L'ulti de la part de Limp. Est-ce qu'on peut tomber cette Templar? Cette Templar qui vient de dieback. Est-ce qu'on peut y arriver? On va voir un dieback instantanément de la part de ce Witchdoctor. S4 qui se fait exploser. Bizizi, est-ce qu'il peut survivre? Il a énormément de charge. Est-ce qu'on peut le faire quelque chose sur Illusion? Illusion qui se fait slow. Illusion qui va tenter de s'en sortir. Le scepter, on va récupérer Nico Baby. Est-ce que Nico Baby dieback? Oui, dieback de Nico Baby. Est-ce que Limp va pouvoir faire un spell? Un moment, oui, il peut le faire, mais j'ai l'impression qu'il a juste touché Illusion et qu'il va se faire récupérer. Il a pas de buyback. Attention, S4, j'ai l'impression que toi aussi t'as buyback. Ou alors c'est juste qu'il a eu le temps de se régénérer tout ça depuis tout ce temps. Peut-être l'un n'empêche pas l'autre. Nico Baby, qui va mettre l'ulti. Avec ça se saoule. Ouais, il est pas complet sur l'ulti. Exhibé, qui lui aussi aura eu le temps de respawn, mais lui aussi va de nouveau mourir. Et donc score, il va se faire récupérer par Nico Baby qui venait de buyback. Attention Nico Baby, heureusement qu'il y a une Lotus. C'est Ember Spirit force toutes les Lotus hein, de la part de Alliance. Attention Bizizi. Attention, ah, Bizizi il blink in pour tenter de cancel la dagger de Nico Baby. Mais Nico Baby qui va se faire regen. Putain, qu'est-ce que c'est bourbier ce teamfight. Et Zitrak, oh, Zitrak c'est la mobilette. Zitrak il est trop rapide. Ah, attendez, il a 939 de MS. C'est la F1. Strax c'est la F1. Il passait du karting à la F1. Bon, à qui tu donnes le fight là? À Unique je pense. Attends, on va voir le fight recap. Ah, c'est Unique qui le gagne. Bah en fait, il force un buyback sur Shadowfin. Oui. La Templar dieback. Mais Alliance ne paye rien sur ce Templar. La Templar est morte 120 secondes. Et Unique arrive quand même à mettre de la pression. Alors que c'est toi qui buyback des corps, tu vois. Même si tu forces un dieback du Shadow du Witch Doctor, c'est pas si worse que ça. C'est un Witch Doctor P5.
Et là... Witch qui ouais, il a pu TP à l'outpost, c'était surprenant son angle d'arrivée. Attention le Roshan. Attention le Roshan, hein. Ça pourrait être le Roshan qui fait gagner une game, hein. Ou perdre la game, ça dépend de quel point de vue on se met. Ah, il y a le 25 de la TA. Hop 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 hop. Attention, parce que là il n'y a rien pour contrer les bâchins la Templar. Non, le Bristleback a eu le temps de mettre 30 picotis. Et il a tué personne avec. Il y a des items de la 40ème aussi à aller chercher. Oh, Westfort. Oh, Zitrak. Oh, la mobilette Zitrak. Oh, la mobilette Zitrak. Oh, attention. On a une gemme. Hein. Oh, c'est double bolas. Oh, c'est double bolas. Oh, Oxybé. Attention, on a Nico Baby qui commence à y aller. Oh, mais limp. Alors, Nico Baby, il est content. Il tue des supports pour le moment. Mais est-ce qu'on peut tuer autre chose que des supports de la part de Nico Baby? Un jour. Alors, ouais. Timbersaw, il a une gemme. Alors, ce soir, il a dodge le coup de belle. Sacrément content. Oh. C'est qui s'est fait? Oh, il n'y a pas de Lotus. C'est dommage, ça, de la part de... Ah, la Lotus. Il va dodge. Oh non, est-ce qu'il survit? La dagger. Oh. Et pendant ce temps... Ah, et pendant ce temps, oh, il récupère... oui, alors le poney... Oh. Alors... Vanxcore, si tu ne vois plus la vision sur la gemme, généralement c'est qu'elle a été prise. Petit type. Oh, Timeless Relic. Non mais. Il va falloir ramasser quand même. Non mais. Ah, c'est bon. Tu l'as fait sur qui cette Timeless Relic? Tu la mets sur. Sur le Timber pour des dégâts? Sur le Doctor pour un peu de contrôle? Ou sur l'Amber? Parce que les bolas font tellement le travail que je la mettrais sur l'Amber. Ouais, pour qu'il ait des bolas qui durent longtemps. Elle est pas fameuse, hein, cette Timeless Relic. Ouais, sûr. Et Bizizi là qui nous fait un dagger pile au moment où le SF met sa raise. Il file sous le nez du SF. Hein. Le SF il est en mode ah. Bon bah j'ai raté. Dommage. Ah bah non, ça. Non, il a trop commit sur son build magique. Hein. Il a commit Octarine, ouais. Ethereal Blade, dagger, le scepter et BKB. Continuez là-dessus, hein. Ah, une fois que t'as les deux pieds dans les sables mouvants, pour s'en sortir c'est difficile. Hein. Peut-être qu'avec un peu de chance, si t'es en dessous, il y a le trésor, hein. il y a un temple caché Maya, mais pour le moment... J'irais bien chercher un ex, mais il a l'air de vouloir un Aghanim plutôt. Ah, il est rentré, ouais. Ouais, le ex qui pourrait être sacrément fort avec la CDR, avec l'Octarine, pour remplacer ce Lecepteur. Mais bon, ce Lecepteur lui sort aussi défensivement, donc... C'est ça. C'est difficile, hein. Après, normalement, il a Ethereal Blade BKB, donc défensivement, il a aussi des items. C'est ça. Avec un petit CD, il peut lancer 2 BKB par fight, a priori. Oui. Ah, c'est dommage. Parce qu'on sentait que le Monkey King était pas loin. Alors Weaver, c'est aussi un héros qui peut jouer sans bot. Hein, parce que quand vous avez un Tsukushi qui vous fait déplacer à 820 de MS, vous inquiétez pas, les bots... Ah, il a level up. Il a un Aghanim d'ailleurs. On nous a pas montré, mais Roshan a drop un Aghanim. Non, non, non. Parce que même sur une Weaver Core... C'est fort, hein. Même pour toi, ça te diminue le CD. Oui. C'est 18... Alors, ce qu'il y a de plus chiant, c'est que pour toi, faut double tap. Alors qu'avant, une seule tap... C'est vrai. C'est le seul truc de qui a dérangé. Et ça permet par exemple à cette TA qui d'habitude se fait... qui des moments arrive low life en fight, bah tu la remets full life et... Ouais. Ah, la Weaver était posée à 15 minutes, ah, c'était un des corps qui s'en sortait pas si mal. Alors Zitrak il a une DD, hein, donc faites attention parce qu'une Weaver Butterfly avec DD, je peux vous dire que... Ça, de 1 ça va vite, de 2 ça fait sacrément mal, hein. Ça reste une Weaver, hein. Ça met potentiellement 2 attaques, c'est le héros qui a un écho sable gratos, et Bolas. Est-ce qu'on BK... Il va falloir BKB. Ouais, Nico Baby qui est obligé. Alors il a combien de secondes de CD sur sa BKB? Il a 31,5 secondes de CD sur sa BKB. C'est pas beaucoup. Bristol, en train de se faire. Oh, Strack.
En vrai, Zitrak, il aura presque plus ulti. Oh non, 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 non. Ne parlez pas de rapier. Je ne veux plus voir de rapier sur cette game. Je ne veux plus voir de rapier de la journée. J'en ai vu... J'aimerais bien me coucher aujourd'hui aussi. J'en ai déjà... Non, j'en ai vu beaucoup trop. Il y a à peine 3 heures. C'est pas pour qu'on me ressorte ça. Hein. 45ème minute, on arrive sur les timings Midas des supports. Ah oui, parce que ça aussi. Hein. Alors je pense que Yu Yu devrait être content, hein, si je sais pas, parce qu'il a pas eu l'occasion, de, je crois, de voir la game, mais il doit être content. Il a vu un ogre magi sortir comme premier item après ses bots. Une Midas à 52ème minute, mais elle a quand même eu le temps d'être rentabilisée plus qu'une fois. Hein. Tout ça pour perdre à la fin. Tout ça pour perdre à la fin avec 3 rapières dans des poneys et 4 rapières sur des héros. Du côté de Navi et 2 rapières du côté de NIP. 9 rapières au total. Ah, c'était une mobile. Alors, on est passé du karting à la F1, à la mobilette, à la moto aussi. C'est quand même, c'est une sac. Et pourtant, la Weaver n'a presque pas perdu de MS. Hein, donc. Ah, la team, c'est bon. Yeah, it's busy. Ouais, busy. Ouais, c'est son ancien pseudo, hein, Bizizi, c'est pour ça que... Ou Blizz Perfect, mais bon. C'était une époque... C'était il y a longtemps, hein, Bizizi. Oula, Rocky va connecter sur le team morceau. On va avoir Vanscore, qui, comme d'habitude, va mourir. Il faut qu'il fasse une BKB, Vanscore, en vrai. Ah, l'Aegis qui va dépop. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cet Aegis? Rien. Allez, c'est parti. Il est dur à monter sur les grands, hein. Ah oui. Ah oui, bah oui, il est dur à monter, mais bon. Je connais une game aussi où il était dur à monter le high ground. Hein. On sait comment ça s'est terminé. Faudrait un item qui fait que tu aplatis le terrain. Ce serait plus facile de prendre des racks. Je connais un... Il faudrait un item qui dise aux joueurs, si vous activez l'item, vous gagnez la game. Genre, le 15ème Roshan, à un moment il sera magnifique. Il sort du Roche Pit, il se met au milieu. Et tu vois, t'as une sorte, t'as un duel, et l'équipe qui gagne remporte la game. Parce que là, c'est ras-le-bol. Hein. En vrai, je vais devenir le spécialiste de l'ultra game de l'ultra. Alors, par contre, ah ouais, alors la disruption, elle a duré 2 secondes, hein, même, elle a duré 1/2 seconde, pardon. Limp qui entra. Oh, pff, la Weaver était tellement rapide que Nico Baby, il a pas pu enchaîner. Et il a ulti la Weaver elle a été en Tsukushi. Le mec il a commencé à mettre sa mid-raise, qu'il était déjà trop loin pour la long raise. Ah, Nico Baby qui active sa BKB, sa deuxième de la team fight. Pas de fou. Oh, alerte Nico Baby qui vient de se faire massacrer. Ah bah vas-y, Zitrak, bah voilà, il peut mettre son ulti de life, hein, et il a de nouveau son ulti d'ici une dizaine de secondes. Attention, Zib qui est en train de prendre extrêmement cher, SR qui va buyback tout comme Nico Baby. Pendant ce temps là, on a l'Ember d'illusion qui est en train de survivre avec son scepter qui tempo, le Slight of Peace qui va arriver, c'est bon, SR va récupérer. Est-ce qu'on arrive à récupérer le Limp? Oh, le cheese qui va arriver sur Zitrak. Ouais, Zitrak il a perdu un peu de points de vie. Vizizi qui est en train de continuer de se faire go. Superbe cette disruption de la part de Xibé. Est-ce qu'on a de nouveau... Ouais, il gagne du temps, et pendant ce temps-là, eh ben, on a pris une Range Rax. C'est pas fameux, hein. Ah, mais on a forcé des buybacks quand même de la part de Unique. Bon score. Oh, le Hullsetter. Oh. Xibé, ouais. Il fait ce qu'il peut, Xibé, avec son Shadow Demon, mais pas simple, hein. Bon, Vanscore qui est encore dieback, hein, en tout cas qui est encore en timing de dieback. L'Ember Spirit qui va récupérer le sien. Ouh. Ah, j'ai oublié de regarder. Oh non, mais là, j'ai la flemme de regarder le fight recap. Hein. Si l'Ops le montre pas, c'est pas à moi de le montrer. Hein. Moi, je suis fatigué. Je fais grève de mes mains. S4. Ah, on force le buyback de cet Ember Spirit. Attention, c'est un Ember Spirit P4. Donc, est-ce que ça va vraiment inquiéter Alliance? Oh, pas l'impression. Hein. Le trap de la part de 19. Les bolas. Ok, la BKB. Eh, mais par contre, ils ont pas confiance en leurs joueurs Alliance. Hein. À chaque fois, il y a des BKB qui partent sur des Lotus. Ouais. Enfin, c'est Lotus BKB, c'est très dommage parce que c'est des. Tu vois, t'aurais pu économiser des BKB pas si dégueulasses. Alors, on a réussi. Par contre, Alliance, eux, tu vois, ils ont réussi à prendre le meilleur axe.
Et ils ont plus confiance quand même sur la capacité de leur corps à tanker. Bon, même s'il y a des BKB qui partent, ce soir il a fait un bon boulot là à rester devant. 50ème minute, on a 10 minutes des items tier 5. Est-ce qu'on va voir ces items tier 5? Attends. Probable. On vient de me montrer un truc. Le Witch Doctor et l'Ember ont acheté des tomes. Ça veut dire qu'ils avaient pas acheté le tome de la 40ème? Bah voilà, il y en a un qui l'a revendu plus vite que son nombre, mais... Ouais, alors... C'est moi ou je viens de voir un Ember Spirit taper une ward qui n'était... Oh non, il y a eu le bug de la ward que tu vois pas, tu vois, genre les wards qui sont que tu vois pas en tant que spectateur. Oh, j'aime pas ça. Oh, ça sent pas bon. Oh, y a un... Ah oui, il y a la Ganymede lui. Oh, cette Weaver, le... Mon dieu, le stuff de cette Weaver. Ouais, elle est grasse, hein. Ah, c'est une fourmi, là, c'est plus qu'une reine fourmi, là, c'est... Bouh. Ah, c'est une reine fourmi géante, hein, c'est... Il y a un hack sur le Timber pour aller chercher le SF qu'ils arrivent à tuer, mais ça leur demande beaucoup de commit avec ce hack, ça va aller très très vite. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours cette cage du Shadow Demon qui fait tellement de taf. Ouais. On a le Roshan. Est-ce que les deux équipes vont se fight au Roshan? Alors, 10 secondes. Alors il y en a qui se rendent directement, il y a une trappe, les autres il va falloir le sentir. On doit s'en douter niveau timing, Limp. On va mettre un stun, on va suivre par une arrow. Oh la Templar! La Templar elle est morte, elle a un buyback 19. Et Vanguard qui a encore failli se faire récupérer, la Coconut. Outil. Voilà. La disruption de Xibé qui fait encore une fois le café. Illusion qui recule. Nico Baby qui essaye de choper plus. Il a supprimé son rôle pour un ex. Et c'est Roshan qui va tomber. Cette TA elle se retrouve toujours au mauvais endroit quand même. Ah la Templar qui buyback. Ils ont l'autre poste hein. Ils ont l'autre poste. Ah, oui. Oh Illusion qui va. J'ai cru que cette Templar s'était fait recall par la Weaver. Attention, attention, on va voir le buyback de Limpy immédiatement. Il a des travels, non il a pas de travels. Oh la Templar qui vient de partir en dieback. Oh l'a pas vu mais la Templar qui part en dieback. Oh Alliance va peut-être le faire sur cette fight. Il faut que Zitrak nous fasse le fight de l'année. Zitrak, le satanique il tank, l'ulti. Il est en ex, mais il court trop rapidement même en ex. Bizizi qui est en train de continuer. Il disarme. Le Shadowfin qui va récupérer Illusion. Illusion aussi qui part en dieback. Bizizi c'est le dernier à avoir un buyback de la part des joueurs de... Oh, il va récupérer un scan. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Non, j'ai l'impression qu'il y a un coup de basher de la part de Lim qui va compléter. On a un nouveau buyback hein, de la part de Alliance. Avec un scan. Le Witch Doctor qui va revenir... Attention Alliance, attention Handscan. Attention Handscan, faut pas que tu die back. Handscan il va die back. Handscan il va peut-être pas die back. Oh punaise. Il a eu chaud hein, parce qu'il y a eu une malédicte. Et c'était la mort hein, pour Handscan. Est-ce qu'on a le temps de terminer la game en 60 secondes? Ah y'a moyen hein. Après la Weaver va peut-être être trop embêtante pour pouvoir finir la game. Ouais. C'est la question qu'on se pose. Hein. Est-ce que cette Weaver fait suffisamment? Elle a un buyback, cette Weaver. Et il est impressionnant ce build statue résistance. Ils arrivent absolument pas à enchaîner leur spell chez Alliance pour la tuer. Il faut tenter de go sur Nico Baby. C'est exactement. Ouais, c'est vrai qu'il a raison. Oh. Alors le banish sur cette Weaver. Ouais, bah voilà, tu peux pas. Hein. T'es obligé de mettre presque l'arro avant que la cage ne parte. C'est ça. C'est très difficile. Alors par contre, Limp il est en train de DPS les tours. Est-ce qu'on essaye de récupérer? Il faut essayer de focus Zib et pendant ce temps la Zitrak. L'ulti qui va arriver. On va avoir un refresher. J'ai l'impression de la part de Limp. On a tombé cette CT4. On est en train de focus le trône et j'ai l'impression qu'Alliance est en train de le faire. Alliance qui va peut-être le faire sur ce fight. Limp qui va mourir. Même pas. Ah ouais. Ce manque de confiance qui leur a empêché de prendre ce side ouais. Un moment au mid. Mais ayez confiance en vous, Unique. Ils avaient la game en main. Ils l'avaient complètement en main. Ah, c'est bah, tellement oui, dommage. C'est dommage. Hein, Vous pouvez facilement prendre cette mid-rax. Ah oui.
Ils pouvaient ou peut-être prendre le Roshan aussi, mais ils ont pris ni l'un ni l'autre. Aïe aïe aïe, et cette Templar qui se fait go, alors que la Templar est même pas devant. Hein. C'est, elle est Ouais. derrière, mais il y a un monkey sur un arbre qui met un coup de bambou. On a une arrow qui suit par-dessus, un hex, elle est morte, elle a pas le temps de faire. Et là, la Weaver, elle aurait pu la. L'ulti, peut-être qu'elle y a Ouais. pas pensé ou qu'elle était vraiment trop loin, je sais pas. Oh, ça a quand même beaucoup de range. Hein. Ah ouais, peut-être qu'il a engagé par contre Zitrak au même moment, donc sur la backline, donc il pouvait vraiment pas. Parce que ouais, s'il avait pu mettre cette ulti sur cette Templar, ça aurait changé énormément de choses. Hein. Parce que Zitrak, il nous fait une superbe game avec sa Weaver. Je pense qu'il peut pas faire beaucoup de plus. Hein. Non, à la fin, il. Bah, il se fait même une Weaver qui court si vite, tu te fais kite, c'est dur de tuer quelqu'un. Bah en fait il y a tellement il y a des Ethereal Blade, il y a un Ghost Scepter, il y a une cache Shadow Demon, t'as des Leap Mirana, t'as des Albert sur ton Bristleback, t'as un Basher et un Stun sur Limp. C'est difficile hein, c'est vraiment difficile. Limp qui nous a fait une game plutôt pas mal et qui est difficile hein, parce qu'on sent que le build magique il a un gros creux au moment où il y a les BKB 10 secondes qui arrivent. Au moment où il y a les BKB 10 secondes, bah ton SF Oui. ne sera pas grand chose. Il faut subir ce timing, mais vraiment le subir. Jusqu'au BKB 5 secondes, et là tu peux commencer à refaire quelque chose. Et son mec, c'est à la place de son récepteur qui a fait la différence, je trouve. Donc, non, non, bien joué de la part de Alliance, mais Unique qui avait potentiellement, qui pouvait gagner cette game aussi. Donc, c'était une game très très serrée. Ça part dans les mains de Alliance, donc ça nous fait un petit 1-0. C'était une game plutôt plaisante à suivre.